Bonjour les amis, c'est l'agence Java Immo NC. Je vais vous présenter un bien à vendre, maison F5 avec une maison en contrebas rénovée sur un terrain de plus d'un hectare. Donc voilà, je vous montre un peu le quartier. Ok, donc au niveau du compteur électrique, là devant nous, vous avez montré, c'est bon. Et le compteur électrique, il a, je vais m'approcher pour vous montrer. Hop. Voilà, il est juste là. Regardez les amis. Voilà. Et le compteur d'eau, alors c'est l'entrée de la propriété, et le compteur d'eau, il est sur la gauche, on va avancer un petit peu encore, voilà, il est juste ici, je vais zoomer, voilà, le voici ici là. Voilà le compteur d'eau, il est là. Voilà, donc comme je vous montre, hein, c'est le quartier, hein, là, devant. Allez, je vais marcher pour rentrer directement dedans afin de vous montrer cette maison F4 à vendre, F5 pardon, F4 plus bureau F5, et son terrain et sa maison à retaper. Donc là on a une route qui a été tracée. Sur la gauche ici, nous avons la fameuse maison à retaper. Ça a été la première maison au tout début, avant de construire la plus récente en haut. Donc il y a un terrassement ici, un terrassement là-bas, et après on peut rajouter encore un autre terrassement plus haut. Ah bah c'est le voisin. La limite c'est ça là. Hop, ça monte un petit peu. Donc là on a un petit chemin, parce que là c'est le premier terrassement qui a été fait pour la première maison. Voilà, c'est une maison en bois et en tôle. Hein. Comme on dit, hein, c'est mieux que rien du tout. Ça fait le travail. Donc à l'intérieur, là c'est la terrasse couverte. Après vous pouvez la fermer ici. Exactement. Divers matériaux par terre pour continuer. Là, au niveau de la porte là-bas, c'est fermé à clé. Et ce que je peux faire, c'est que je vais faire le tour. Bon, il y a les terrains en haut. Ici, là-bas, on a un poulailler. Je vais vous montrer l'intérieur de ce bâtiment par la porte vitrée. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. C'est assez clean, hein. C'est assez clean. Bon, après, il y a, comment dire, un bon petit coup de nettoyage à refaire. Il n'y a pas de fuite en haut, hein. C'est impeccable. Une bonne peinture et un bon petit coup de nettoyage autour. Vous voyez, le bois là, il est assez bon état. Hein, regardez. Vous voyez, bon, c'est la tôle à repeindre. Hein. Elle a du vécu. Ok. Devant, je ne vous ai pas montré. Mais devant, on a encore du terrain. Hein. C'est juste que cet arbre, il a repris ses droits. Mais tout devant, là. D'ailleurs, il fallait que je le coupe à coup de sable avant.
Voilà, regardez les amis. Tout ça, c'est plat. Après, ça monte. Voilà. Là, c'est plat. Plat. Et la maison, là. Après, le poulailler, là-haut. Et l'autre maison, là-haut. Voilà, premier terrasse. Bon. Ok, on va passer comme ça, parce que... J'ai pas envie de faire déjà cassé sous l'arbre, j'aurais dû le couper avant. Donc on a un chemin ici. Là on a la gaine électrique. Vous voyez de hauteur là. Le premier bien. Ok. Je vais grimper. Là on a le poulailler comme je vous ai dit tout à l'heure. Tout clôturé, grillagé, haut, en bas, sur les côtés. On a un petit chemin ici. On a commencé à avoir une petite vue là. Sympathique. Tranquillité absolue. Hein. Personne ne passe par là. Hein. À part les voitures qu'on entend sur qui passent. Mais sinon, à part ça, voilà. Là, c'est la fameuse route. Moi, j'ai coupé directement d'ici. Hein. Donc, on prend la voiture, hop, quatre, on monte, on se gare ici. Jama. Ici, on a un parc qui était pour un cochon. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici il y avait, bon, il y a le soleil, mais il y avait un cochon. C'est lui qui a creusé hein, sur une dalle en béton. Là, là, hop, hop, hop. Bon, ça mérite un bon petit coup de Karcher. Vous allez voir qu'après ça, c'est impeccable. Hein. C'est pas compliqué en soi. Allez, je vais vous montrer. Oh, je me répète beaucoup, je vais vous montrer. Bon, ouais, à force, je vais m'habituer à être de plus en plus performant dans les vidéos. Voici la maison F5, F4 avec son bureau F5, posé sur des plots en béton. Voilà, les sous-forgés, ils sont en bon état, comme vous pouvez le voir. Regardez. Donc, maison... béton et l'extension structure métallique là. Vous voyez en dessous la barre métallique. Donc on peut rentrer par là. Là c'est le salon, pardon. La fenêtre du salon. Là c'est la fenêtre de la cuisine. Là c'est la fenêtre des toilettes. Donc voilà le deuxième terrassement. Oh pardon, là c'est la terrasse. Couverte, sympathique terrasse, et là devant c'est plat, là aussi deuxième terrassement, ça monte un bon coup de débroussailleuse, un bon coup de propre, vous allez voir c'est tout joli, bon l'herbe a repoussé entre temps, tout à l'heure je suis passé, j'ai donné un coup de sable d'abattis, ça a monté un peu, on est sur le côté de la maison, canal satellite. Ouais. Voilà où on est là, à la moitié du terrain. On entend très peu les voitures. Hein. Là, c'est l'entrée. Alors, la salle d'eau, son toilette, son lavabo. Là, on met sa machine à laver. Sa porte coulissante. Et ici, accéder dans les combles, charpente métallique. Là, on a la première chambre. Sa fenêtre.
Ensuite, la cuisine. Double évier, gazinière, chauffe-eau à gaz, des meubles de rangement, un plan de travail là pour couper, un passe-plat, plein d'ouvertures, une ouverture, une ouverture, une ouverture, une ouverture. La deuxième chambre. On arrive au salon, l'extension qui a été rajoutée. Au-dessus, on peut ranger ses affaires, des bagages. Et regardez comme la structure elle est saine. C'est presque tout neuf quoi, c'est impeccable. Et ici, on a la pièce qui peut faire bureau et une lumière qui va s'allumer automatiquement. Voilà la lumière, là, cette petite lumière. Donc voilà, ici on peut mettre des affaires. Ça peut être très bien pour une chambre pour un bébé. Ou ça peut faire une chambre aussi pour un adulte qui a simplement posé son lit là et est tranquille. Ou bureau quoi. Et là, on a la dernière chambre. Très grande. Tous les mètres carrés, ils ont été mentionnés dans mon annonce. Là, c'est des pannes en bois. Et panne métallique. Vous voyez? Ah, attendez, c'est ça. Voilà. Voilà. Le faux plafond, c'est du bois. Mais la charpente, je rappelle, métallique. À sa porte coulissante. Et le salon. La cuisine. Donc, une chambre. Un bureau qui peut faire chambre. Deux chambres. Trois chambres. Une, deux. 3, 4 dans F5 ou F4 plus bureau. Déjà 12 minutes, bah dis donc, ça passe vite le temps. Ok, je vais monter là-haut, je vais passer par ici. Tac, tac, tac. Je vais monter là-haut. Comme ça, je vous montre en même temps la toiture comme elle est saine. Parce que, je rappelle, c'est un terrain... une propriété d'un hectare. Regardez comme la toiture elle est impeccable. Vous voyez les amis, c'est grand, c'est sympa, c'est joli, la toiture est impeccable, on a du terrain, certes ça monte mais avec des terrassements c'est top. Et puis quand il pleut, ben l'eau elle s'écoule de la montagne, ça irrigue bien tout ce qu'on veut planter. Voilà, ici, cette zone-là, on peut refaire un troisième terrassement si on veut. Bon, désolé pour la broussaille. Hein. C'est la forêt, la nature. Voilà, cet endroit ici, là. Voilà, ici, bon, ça se voit. Je sais pas si vous voyez bien avec la vidéo, mais ici... on peut faire du plat et mettre une autre construction ici. Et regardez-moi cette vue après. Voilà. Quelques arbres à couper là, tac tac tac, un peu là devant là. Il y en a une vue incroyable tout là. Voilà, ça c'est à couper, couper, couper. Hein. Voilà. Et après, on a encore du terrain qui monte encore, qui monte encore. Voilà, qui monte encore. Ouais, c'est un beau rectangle. Hein. Et voilà, les amis. C'était l'agence Jama Immo NC. Ça fait bientôt 15 minutes. Je vous remercie d'avoir checké la vidéo. Le prix de vente est mentionné dans l'annonce, les mètres carrés aussi. Super prix de vente. Les super possibilités sur ce terrain. À la Tamoa. À Païta, n'hésitez pas à checker mon site internet Jama Immo NC, me pousser un gros pouce j'aime ou un commentaire positif pour donner de la force sur ma chaîne YouTube. C'était l'agence Jama Immo NC et je vous dis à bientôt. Tata les amis, tata, tac tac tac, le pouce, le pouce.